L'événement de ce week-end, c'est ce soir à l'Arsenal de Metz, Romantisme naissant. C'est un concert symphonique à la baguette Sacha Göstel, l'étoile montante de la direction d'orchestre. Il dirige ce soir le trompettiste Romain Leleu et on rejoint sur place à quelques minutes de ce concert Angélique Mongon. Angélique, vous avez pu vivre les ultimes répétitions, alors comment ça se passe ? Bien écoutez, Régis, ça se passe très bien. Les 112 musiciens de l'orchestre ont répété une dernière fois sous la direction de Sacha Göstel cet après-midi. Et bien sûr avec le trompettiste Romain Leleu qui est à mes côtés. Alors Romain Leleu, il y a 4 ans, vous étiez déjà dans cette salle de l'Arsenal où vous avez été élu révélation soliste de l'année lors des victoires de la musique. Alors quel sentiment ça fait de revenir 4 ans après sur cette même scène ? D'abord, c'est très émouvant parce qu'en fait, c'est vrai que je suis venu jouer pour les Victoires de la musique avec l'Orchestre national de Lorraine en 2009. Et puis, bon, c'était assez court parce que c'était un extrait justement du même concerto. Et puis là, bon, on a un peu plus le temps, mais c'est très agréable et à la fois très émouvant de revenir quelques années après parce que j'avais gardé un très bon souvenir de mon passage ici. Et alors, c'est la première fois par contre que vous jouez sous la direction de Sacha Göstel. Comment vous avez travaillé ensemble pour préparer ce concerto ? On a eu une séance de travail comme à l'habitude, il y a 2 jours, pendant toute une après-midi à la maison de l'orchestre. Et puis on a parlé ensemble, on a répété avec l'orchestre et convenu ensemble de jouer le Hummel de telle façon, en tenant compte de... je pense des particularités et des souhaits de chacun. Et puis voilà, ensuite on a joué hier soir au Festival de Laon et ce soir ici à l'Arsenal. Et alors, vous avez travaillé ensemble et c'est quand même, Monsieur Göstel, quelqu'un de prodigieux, un grand chef d'orchestre. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer sous sa direction ce soir ? C'est toujours très intéressant en fait de pouvoir discuter avec des chefs et de pouvoir jouer avec des orchestres. Donc en tant qu'instrumentiste, j'ai toujours beaucoup de plaisir à prendre les conseils des chefs intéressants. Et alors, aujourd'hui, vous jouez avec beaucoup de formations et vous donnez aussi des cours, des masterclass en France, à l'étranger. C'est important pour vous de transmettre votre passion grâce à ces formations ? Oui, c'est important, c'est un besoin en fait. Et puis on progresse beaucoup aussi à faire ce genre d'exercice. C'est très enrichissant d'un point de vue personnel et c'est très agréable de pouvoir aussi transmettre à de jeunes élèves les quelques conseils qu'on a à leur donner. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous à leur transmettre ? D'abord, à mon avis, c'est le plaisir de la musique. Le plaisir, et ça c'est vraiment une notion très importante qu'il faut essayer de ne pas perdre. Et on peut entendre un musicien qui va jouer magnifiquement avec une technique parfaite et sans qu'il y ait de plaisir, sans qu'il y ait d'émotion. Et je pense que ça, c'est vraiment l'une des choses primordiales à mon sens. Merci Romain Leleu d'avoir accepté notre invitation. Le concert débute ici à l'Arsenal dans quelques minutes. Maintenant, on va vous laisser vous concentrer. Et merci beaucoup Angélique. Et reportage complet, bien entendu, demain à midi. Il est après-midi. Romantisme naissant. C'était un concert symphonique donné hier soir à l'Arsenal de Metz. 112 musiciens et un trompettiste de renom, Romain Leleu. Un grand moment musical et culturel qu'ont suivi pour nous Angélique Mongon et Frédéric Madier. Trouver la bonne alchimie pour donner vie à la musique et à ce concerto du Hummel. Le chef d'orchestre autrichien Sacha Göstel et le trompettiste Romain Leleu travaillent ensemble pour la première fois avec l'Orchestre National de Lorraine. Un concerto qui réunit 2 pointures de la musique classique. Un travail de coordination parfait. C'est toujours important pour le soliste et pour le chef d'orchestre d'avoir du respect pour la musique et du respect pour la personne. C'est comme cela que l'on commence à travailler et on essaye de trouver un langage que l'on comprend tous les deux. Le chef d'orchestre et le soliste ont chacun leur approche de la partition. Donc il faut la respecter et ensuite on peut tout interpréter ensemble. L'Orchestre National de Lorraine, Romain Leleu, lui, le connaît déjà. En 2009, c'est sur la scène de l'Arsenal que le trompettiste est élu révélation soliste instrumentale lors des Victoires de la musique classique, avec un extrait du même concerto du Hummel. Ce que j'essaie de mettre en avant, en fait, c'est le côté un peu spontané, dans le sens où j'essaie, quand j'en ai la possibilité, que ce ne soit pas toujours la même chose, qu'on ne soit pas dans les mathématiques, puisque ça peut sonner un peu comme ça, mais justement de faire ressortir un peu le côté romantique de ce concerto de Hummel.
une rencontre éphémère entre les deux jeunes artistes et l'orchestre lorrain, une œuvre unique qui a trouvé son public. Et pour finir,